Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran. Donc si vous vous connectez tous les jours sur cette map, on finira bien par débloquer l'XP sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitches d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours, une fois ou deux par jour sur cette map. Le code sera en description ou en commentaire épinglé, donc merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch d'aujourd'hui c'est le 4. 9, 2, 5, 9, 5, 4, 0, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé. Quand la map est lancée en privé, ben vous attendez que ça charge. Pendant le chargement, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Il faut savoir que le code s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Alors, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Alors, quand vous êtes dans la map, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appuyer sur Options, Menu, Lancer le jeu. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'attendre tout simplement 10 minutes. Donc moi, là, je vais attendre 10 minutes avant de vous présenter le glitch. Comme ça, normalement, je devrais gagner plus d'XP. Donc après, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez directement lancer le glitch. Et ne pas attendre les 10 minutes, mais moi je préfère attendre les 10 minutes pour voir combien d'XP je vais gagner. Donc à tout de suite. Ok, donc là j'ai attendu 10 minutes. Donc pour réaliser le glitch, ce que vous allez faire, c'est tout simplement sauter au milieu. Voilà. Ensuite, vous allez aller vers le coin gauche. Donc regardez, vous pouvez vous repérer vis-à-vis de la mini-carte en haut à droite. Donc vous allez vers le coin gauche bleu. Donc on va dire le coin inférieur gauche, en bas gauche de la carte. Donc mettez-vous bien au même emplacement que moi. Ensuite vous allez construire une rampe ici et vous allez monter de 10 rampes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite vous mettez un plat et là vous refaites 10 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, vous remettez un plat. Et là, ici, vous avez un bouton interagir. Donc, vous interagissez avec ce bouton. Ça vous téléporte ici. Donc, vous allez près de l'écran rouge qui est juste là, dans l'aéronef. Vous allez près de cet écran rouge. Ensuite, près des tableaux de bord, vous avez des boutons interagir. Donc, vous interagissez avec. Voilà. Parfait. Donc là, ok, j'ai pris déjà 33 000, 44 000. Ok, 44 000 XP. Alors, normalement, il y a un bouton ici, ouais, juste en face des deux autres plateformes, un tableau de bord. Donc 44 000, on va voir si ça me rapporte 50 000, 54 000, 64 000, 64 000. Ok, on a déjà presque gagné un niveau complet. Alors ensuite, vous sautez ici. Normalement, il y a des boutons ici et ici. Ok, parfait, on interagit avec. Donc 64 000. 74 000. 94 000. Enfin, 84 000 plutôt. Ok, on continue. 94 000, voilà. 104 000. 104 000, 104 000. Alors ensuite, il y a deux boutons ici. Ah non, un bouton ici. Là, il n'y en a pas, ouais, c'est vrai. Il y a un bouton ici, près du poteau. Donc on a 104 000. 114 000. 114 000, 124 000. Ok. Quand ensuite, vous descendez près de l'escalier. Il y a un petit bouton ici. 124 000, 134 000. 144 000. Ok, donc ensuite vous descendez, vous allez près de la petite fenêtre ici. 144 000, hein, je suis à 144 000. Alors, 154 000, 164 000. Ok. Alors on interagit avec celui de gauche, il y en a un à droite et un à gauche.
164 000, 174 000, 184 000. Ouais. Ok. Parfait. Et il en reste un juste ici. On était à 184 000. 194 000 et 204 000, je crois. Voilà, je crois qu'au total... Ouais, je gagne plus d'XP. Donc au total, j'aurais pris 204 000 XP. Donc ça fait plus de 2 niveaux et demi. Ouais, ça fait 2 niveaux et un demi, quasi. Donc voilà, ça fait 204 000 XP rien qu'en un seul glitch. Alors quand vous avez terminé de faire le glitch, soit vous arrêtez le jeu... Et vous recommencez la map en illimité, donc vous recommencez le glitch en illimité, vous gagnez des XP en illimité, ou soit vous utilisez la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé, qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP avec ce glitch. Et avec n'importe quel autre glitch de Fortnite. Donc là, si on a gagné 2,5 niveaux, donc 2 niveaux, bah là, avec un seul glitch, j'aurais pu gagner 10 niveaux si j'aurais utilisé la technique secrète. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la technique secrète, elle sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, ben moi je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.